Je vous en parlais il y a un an, la Corse était traversée par une tempête inédite, d'énormes dégâts matériels et surtout 5 décès. Calvi et la façade ouest de l'île entre Sagone et Girolate avaient été très fortement touchées. Un an après, revenons à Sagone, commune endeuillée, où nous attend Jean-Philippe Mattei. Jean-Philippe, bonazer, abiritroem, ou peum pechilog, et à peine à Partigulare. Yes, salut hostile, un pessilo gapena particular, et ce soir nous consacrerons cette page à la tempête du 18 août 2022. Une tempête meurtrière, 5 morts, plus de 20 blessés, des campings ravagés, des hameaux sinistrés, surtout sur la façade ouest de l'île. Un événement qui donc restera ancré dans les mémoires pour la Corse. Pour évoquer ce sujet, deux invités. Pierre Larrey, bonsoir, vous êtes secrétaire général à la préfecture de Corse du Sud. Bonsoir. Second invité, César Paul-Lanfranc, qui vous êtes le lieutenant-colonel au service d'incendie et de secours de Corse du Sud. Bonsoir. Bonsoir. Alors, une première question, Monsieur Lanfranc, avant de parler des sujets les plus techniques. Au moment où la tempête s'est produite, aux alentours de 8h du matin, ce 18 août 2022, comment est-ce que vous avez vécu la situation à titre personnel ? Alors, à titre personnel, on comprend qu'on est face à un événement d'ampleur, un événement qui est soudain. Donc on comprend très vite qu'il y a la nécessité d'organiser les secours dans une situation qui est quelque peu dégradée du fait de l'affaissement des réseaux de télécommunications GSM et des réseaux de communication propres au service. Et donc là-dedans, très vite, on se réorganise avec les services de secours, avec les partenaires, les services de la collectivité et les autres services qui ont concouru à assurer donc les missions de secours. Et très vite, donc on prend la mesure des choses et on a une pensée sur les temps pour les victimes principalement et pour les nombreux sinistrés à l'occasion de cet événement. Pierre Larrey, vous à l'époque, alors Amaury de Saint-Quentin, le préfet de Corse, était en vacances au moment où la tempête se produit, c'est vous qui gérez la crise. Même question à titre personnel, qu'est-ce que vous ressentez au moment où ça se produit ? Sur le moment, on essaye d'abord de recueillir les bonnes informations, d'analyser les situations et puis de prendre les bonnes décisions. Donc on est formé à ça, à trouver les solutions, à gérer la crise pendant les premières heures. Mais ce qui est le plus marquant, c'est ensuite... avec la visite du ministre, quand on rencontre les gens qui ont été victimes de cette tempête, qui s'effondrent en larmes. Et ça, je dois dire que ça marque pour longtemps. Alors, je vous propose de regarder le reportage que l'on a tourné hier à Sagone, Vico et Piane, qui mêlent archives et nouvelles images. Un sujet signé avec Mathias Landry et Alexandre Antonin. Je vous propose de le regarder. 18 août 2022, 8h du matin, une tempête d'une ampleur exceptionnelle secoue la Corse. Les vents atteignent par endroits 223 km/h. Pourtant, seule une vigilance jaune était annoncée par Météo France. À Piana, les pompiers sont littéralement coincés dans leur caserne. Le toit est arraché, les rideaux anti-tempête bloqués par des arbres déracinés par le vent. Il y avait 10 gars à l'intérieur parce qu'on ne savait pas si on devait sortir vivant de dedans. J'avais un saisonnier qui était bloqué dans le chalet que vous voyez là juste là derrière. Le plus inquiétant, c'était d'aller sauver les gens. On était obligé de faire pas mal de choses avant d'aller porter secours. Les touristes sont aussi pris de court. À Sagone, dans un camping, une jeune fille de 13 ans meurt dans son bungalow qui a plié sous le poids d'un arbre déraciné. Le vent, en fait, s'est levé et très, 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 très fort. Et du coup, branches d'arbres qui tombaient de partout, quelque chose d'assez impressionnant. Sur la plage du Liamone, une personne décède, percutée par des projectiles emportés par le vent. En mer, les bateaux s'entrechoquent et sont projetés contre le rivage. 17 à Girolate, 90 au total dans l'île. J'ai eu très peur de mourir. Il y avait de l'eau partout, enfin, l'eau rentrait à l'arrière. Et en 40 secondes, c'était sur le bateau, très impressionnant. Puis finalement, on a choisi de se jeter à l'eau et de regagner la plage en évitant les rochers, ce qui n'était pas évident. Le hameau de Girolate a totalement isolé et lui aussi endeuillé. Un pêcheur y perd la vie. En Haute-Corse, les dégâts sont aussi considérables. Un homme de 43 ans meurt dans un camping à Calvi. Une kayakiste décède noyée dans le Cap Corse. Le soir même, Gérald Darmanin arrive dans l'île. Je veux dire à la Corse, je veux dire évidemment aux familles, notamment aux familles de touristes qui ont connu des décès ou des blessés graves, évidemment tout le soutien et toute la compassion de l'État. 8 jours plus tard, Hervé Berville, le secrétaire d'État à la mer, s'arrête à Girolate. La colère des habitants est toujours là. Depuis plusieurs jours, le hameau est encore coupé de tout, sans réseau téléphonique ni électricité. C'est nous qui nous sommes jetés à la mer pour sauver les gens. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là. Vous n'étiez pas là.
Secours pris de vitesse, touristes sinistrés et paniqués conduits vers des hébergements de fortune. D'Ajaccio à Calvi, c'est une entraide exceptionnelle qui se met en place. Nous avions des tas de jeunes qui étaient un peu en déshérence, hein, qui étaient des colonies de vacances, qui n'avaient plus de toit, plus de tente. Et là, il y a eu un élan de solidarité extraordinaire. C'est que la population s'est mise à leur service. Une crise exceptionnelle, une prévention difficile et des risques pas toujours bien évalués qui font appel à la responsabilité de chacune et chacun. Dès qu'on parle de crise, c'est que forcément on est dans une situation où les services traditionnels sont dépassés. Il est important que les citoyens connaissent les risques auxquels ils sont exposés, parce qu'aujourd'hui on parle d'une tempête avec vent violent, mais on ne sait pas à quoi on va être confronté demain. Les crises aujourd'hui, elles sont multiformes. Dans l'année, plusieurs décisions ont été prises pour prévenir ces événements dramatiques inattendus. Météo France a notamment installé une bouée capteur au large d'Ajaccio. La caserne de Piane a été rendue de nouveau opérationnelle. Le port de Girolata remis à neuf. Aujourd'hui, les zones sinistrées tentent de panser leurs plaies. Ce 18 août 2022 est un jour qui marquera à jamais la mémoire collective de toute la Corse. Il va manquer des gens. Il va manquer des gens dans ce village. Et on va essayer de l'oublier. On ne pourra pas l'oublier, mais on va essayer de faire avec et ça va être dur. Regardez. On a l'impression qu'il ne s'est rien passé, mais il s'est passé beaucoup de choses. C'est resté, ça restera et voilà. Comme ça. Alors, on l'a vu dans ce reportage, des témoignages très forts, très poignants, des sinistrés de l'an dernier, mais aussi cette année, de la part de votre collègue Jean-Michel Galanti. César Pollan-Franck, qu'est-ce qui vous a marqué parmi ces témoignages? Est-ce que désormais, les pompiers, le CIS, sont mieux armés pour pallier ce genre d'événement? Dans ce témoignage, ce qui est marquant, donc effectivement, c'est la souffrance, la détresse qu'on voit à l'occasion de votre dernier témoignage, où eh bien, le citoyen, effectivement, par réflexe mécanique, va pas oublier, mais va occulter ces moments douloureux. Et puis, c'est toute la responsabilité des services d'incendie de secours, des services qui sont là pour faire face aux risques, que de devoir en tirer les enseignements, d'abord au travers de retours d'expérience et d'y porter les améliorations nécessaires pour œuvrer vers un meilleur secours et un dispositif qui prendra mieux en compte ou qui progressera, on va dire, pour faire face aux épisodes qui malheureusement sont de nature, au vu des événements de l'évolution climatique, à être de plus en plus récurrents. C'est ce qu'on voit au travers, ici vous l'abordez au travers de l'épisode tempétueux, mais c'est ce qu'on peut voir sur les effets des canicules et autres. Et la préparation opérationnelle est particulièrement importante et les enseignements sont particulièrement importants. Comment est-ce qu'elle a progressé cette situation, cette réponse opérationnelle depuis l'an dernier? Il y a eu des exercices, on le sait, en intégrant davantage le facteur tempête, c'est le cas dans les calanques de Piane. Qu'est-ce que vous avez fait pour vous préparer davantage, si on peut dire, à ça? Alors, effectivement, donc d'abord, ce que je disais, la première là, qui est cruciale, c'est vraiment d'en tirer le retour d'expérience avec qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné et qu'est-ce qui peut être opéré en termes de service. Eh bien, par exemple, bon, on n'est pas dans quelque chose d'immédiat, mais par exemple, l'emplacement d'un centre de secours, c'est quelque chose qui revêt quelque chose de stratégique, c'est-à-dire que la bonne implantation d'un centre de secours, elle doit répondre aussi à la capacité à ne pas être trop exposée, par exemple. Ensuite, d'un point de vue plus opérationnel, effectivement, nous avons eu à être confrontés, comme les autres services partenaires, à l'affaissement, donc je le disais, des moyens de communication. Ben, l'affaissement des moyens de communication, il s'agit d'y répondre. Ben, de quelle manière? Par de la préparation, par des mises en situation, en situation effectivement où on n'a plus ces réseaux d'alerte. Et là, ben, il faut travailler, on va dire, à recouvrer, à la mise en place de bulles, on va dire, qui vont permettre de recouvrer le réseau radio autour des sinistres. Voilà, ça c'est du travail un peu plus fin qui nécessite d'être opéré tout au long de l'année. Pierre Larrey, dans ce reportage, il y a, on le disait, des témoignages très forts. Est-ce que certains vous ont marqué, vous avez vécu la tempête, je dirais, au plus près, parce que vous êtes rendu sur le terrain, vous avez accompagné le soir le préfet et le ministre Darmanin sur place. Qu'est-ce qui vous a marqué ?
de voir les personnes qui étaient en grande détresse, c'est très marquant. Les gens qui ont vu d'autres personnes blessées, emmenées par les secours à côté d'elles, c'est vraiment un moment dont on se souvient. Et le lendemain, accompagner les diplomates autrichiens qui sont venus rencontrer les familles qui avaient connu les décès, notamment cette petite fille, là, c'est quelque chose de très, très dur à vivre. Du côté opérationnel, Pierre Larrey, alors la préfecture a demandé à ce que les communes mettent davantage en place les plans communaux de sauvegarde. C'est des plans qui tardent un peu à se mettre en place. Comment est-ce qu'on l'explique ? Pour préciser, ce sont des plans qui... clairement, il y a des listes de personnes à contacter, des lieux où se mettre à l'abri. Comment on explique que ça tarde à se mettre en place ? Alors, les plans communaux de sauvegarde sont en fait des guides, des modes opératoires pour donner aux maires des pistes pour gérer une crise, que ce soit un incendie de forêt, une inondation ou un épisode d'orage comme celui-ci. Ça ne peut pas tout prévoir, mais ça aide le maire à faire des choses de manière réflexe, mettre à l'abri la population, l'informer, peut-être aussi stocker de l'eau dans des bouteilles si nécessaire, en cas de rupture d'approvisionnement en eau potable, toutes ces choses. Et donc il y a autant de plans communaux de sauvegarde que de communes, puisque tout cela dépend énormément des caractéristiques de la commune et des risques qu'elle est susceptible de rencontrer. C'est assez complexe à écrire. Donc les maires sont accompagnés, l'État est à disposition des maires pour élaborer leur PCS. Alors nous avons un peu progressé depuis l'année dernière, puisque plusieurs plans communaux de sauvegarde ont été mis à jour, justement pour tenir compte de cette tempête inédite. Trois communes ont lancé l'élaboration de leur plan communal de sauvegarde. D'un autre côté, il y a aussi des investissements qui ont été réalisés par l'État. On parlait dans le reportage de la bouée météorologique au large d'Ajaccio. Il y en a d'autres qui sont à venir. Les investissements à l'État, est-ce que ça ne peut pas être aussi des téléphones satellites ? On sait qu'à Girolata, par exemple, c'est le cas, on le demande, un téléphone satellite en permanence. Est-ce que c'est des investissements sur lesquels vous travaillez ? Mais comme l'a souligné le lieutenant-colonel Lanfranc, effectivement, la perte des réseaux de communication a été un sujet pour gérer la crise. Le retour d'expérience que nous avons fait entre les services nous a conduit à préconiser auprès des maires, enfin ceux qui ont un vrai enjeu, notamment en termes de population estivale, d'acquérir des téléphones satellites. Ce n'est pas forcément une panacée, mais ça peut aider en cas de rupture des réseaux. Et bien évidemment, l'État a proposé de subventionner très largement ce type d'équipement. C'est aussi quelque chose qui est prenant, César Paul Lanfranc qui est chez les pompiers. Il y a 5 téléphones satellites pour l'heure 6. On parlait hier à Piane qu'il en faudrait peut-être un à l'année. On n'aura pas le temps de rentrer complètement dans le détail. Messieurs, pour conclure cette page, il nous reste moins d'une minute. D'abord, vous remercier pour votre présence, pour votre éclairage sur tous ces dossiers. Déclarer et conclure aussi en disant que ce soir, plusieurs cérémonies religieuses ont eu lieu en Corse en mémoire des personnes disparues. C'est le cas à Girolata, c'est aussi le cas à Ajaccio, où en ce moment même se tient une messe à Saint-Érasme en mémoire de Jean-Paul Lidin, c'est le pêcheur disparu à Girolata. Nous aurons évidemment le temps de revenir plus précisément sur ces dossiers, notamment les téléphones satellites à l'égard du 6, les projets opérationnels. Idem pour l'État. Messieurs, merci d'avoir été là ce soir. Bonsoir, Steele.